Et même le poste de Hamdallah, à partir de Caleta.
Camayenne est tombé. Camayenne. Camayenne. J'ai ramené ici sur la rampe. Et il y a deux autres départs en cours de finalisation pour alimenter certains individus dans le centre ville de Kaloum pour un autre départ. Ce sont des cellules de réserve. Monsieur Gonès, je vois que ta mission. C'est ici qu'on fait la visite au poste. Nous avons une division de notre collectif. J'ai visité le poste. Alors, c'est un point à souligner sur le poste. Véritable problème, ce n'est pas redondant. Malheureusement, on a une indisponibilité pour ce poste. Il n'y a pas un autre poste. Ce poste en entier, on sera obligé de mettre la ville. Donc on est en train de représenter des sites comme le site de K-Energie, là-bas, la ligne 110 kV passe à côté. Ouais. Et on peut essayer de faire une extension là-bas pour en faire un deuxième poste de repli. C'est le centre-ville. En cas de problème ici, nous pouvons nous rabattre sur d'autres malheureusement pour pouvoir donner. Pour le moment, plus de 20 ans, si on a ce problème-là, le centre-ville. Pour atténuer un peu le risque actuellement, on a discuté avec les Chinois derrière pour identifier deux cellules. Parce que là-bas, il n'y a que des arrivées qui alimentent ici. Et la distribution déjà a fait l'étude pour deux départs qui vont prendre jusqu'à 20 MW avec des conducteurs puissants, 20 à 25. Donc avec ça, même si on a des travaux ici, on peut continuer à alimenter là. Donc on doit faire déjà pour le monde. C'est là-bas, cache. Malgré que le personnel de la députée est là en votre temps, je vais c'est ça même. Il faut recruter les Guinéens. C'est ce qui est la base du contrat. On recrute les Guinéens
on met à leur disposition. Ils vont, voilà. En contrepartie, ils vont nous donner une formation, voilà, pour pouvoir nous adapter à l'exploitation de cette salle. Ouais, ouais, parce que là, c'est un peu ça. Vous allez visiter la salle du contrôle. Là, pas tout le monde. Même si c'est pas deux personnes. Ah, non, c'est pas une personne, hein.